Bonjour tout le monde, avec même plaisir, on a entré la CAO pour nous présenter au rendez-vous, programme ça qui passait chaque jour, soit-il lundi, pour arriver vendredi. Non pas c'est Jacqueline Belizer, qui salue nous depuis Studio 57 dans Washington DC, quelques notre grand point qui a dominé l'actualité. Actualité aux États-Unis, président conseil présidentiel transition haïtien Edgar Leblanc-Fils prend la parole aujourd'hui dans la tribune Nations Unies dans l'occasion 79e session Assemblée Générale là, côté li rejeté accusation républicaine au fait contre haïtien dans Springfield, État Ohio. Et puis dans une interview exclusive avec VOA Creole, Barbara Feinstein, yon officiel dans le département d'État américain démenti affaires comme quoi troupes dominicaines apparaît pour faire partie mission multinationale là. Et puis toujours ici aux États-Unis, la justice accusait magistrat New York Eric Adams pour corruption. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité à mener nous dans New York avec troisième journée Assemblée générale Nations Unies côté nous pour rejoindre envoyé spécial nous qui c'est Valerio Saint-Louis. Et Valerio, une fois encore non Haïti sonné fort dans Nations Unies et ceci dans plusieurs occasions, mais plus fort ça c'est discours président Conseil présidentiel transition en parlant de Edgar Leblanc-Fils. Tout à fait. Bonsoir Jacqueline. Effectivement, la troisième journée ça, journée côté que leader, président, nation a défilé sous podium Nations Unies, eh bien, message, ou du moins discours qui était plus attendu pour aujourd'hui, c'est justement discours République d'Haïti. C'est à la tête délégation haïtienne, là, président conseil, là, Maître Edgar Fils, eh bien, Leblanc-Fils lui-même était prêt à la parole, mais on discours quand même qui vini dans le contexte côté que tu quand même gagné et tu mets en tête notre délégation. C'est après ça, en pile, le monde dit. Mais dans le micro VOA Creole, il était expliqué, il était clarifié que il y a une seule délégation et délégation ça travaille en harmonie entre Premier ministre Garry Conille et certainement président conseil là. Donc, sous tribune podium Nations Unies, jeudi, discours là, message a été lancé et c'est président conseil là et Edgar Leblanc-Fils qui te prend la parole et VOA Creole justement, il y a un extrait pour vous, on a regardé. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779 nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis. L'établissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Avant, et M. Edgar Leblanc, président CTPA, et bien, t'es l'autre occasion, je dis à Valerio, côté non-Haïti, t'es sonné fort encore. C'était dans le discours président pays Kenya, William Ruto, et Kenya qui a dirigé MMAS là, dans le pays d'Haïti, Valerio.
Tout à fait, Jacqueline. Vous dites tellement bien que, effectivement, nous connaissons que le président William Ruto, non seulement il a visité le pays d'Haïti, il est sorti dans le pays, il vient ici direct dans les Nations Unies, dans la 79e Assemblée, côté que débat était autour de Haïti et de participation force là, force MSS, j'aurais les licites en anglais, côté que lui-même, avec le pays, le Kenya, il a la tête force ça. Il est déjà pour mettre un contingent de 600 policiers kenyans, qui a pas ajouté à 400 qui déjà sous place en Haïti, côté que le pral fait justement pour mettre ça que le TFR, côté que 1000 policiers kenyans pourraient faire partie de force ça. Mais il y a l'autre pays qui t'a supposé et ajouté et force police par eux dans MSS là. Alors, président kenyan, ces jours-ci, l'a fait actualité avec le pays d'Haïti, donc nous allons comprendre que sous tribune Nations Unies, c'est sûr que l'État pral obligé de parler de Haïti. À part de rencontres bilatérales que le fait avec l'autre partie concernée et notamment les représentants de délégation haïtienne, le président kenyan, il fait promesse et il dit que l'a délivré promesse. C'est ça que justement, sous podium Nations Unies, nous allons attendre extrait que Véroa Créole gagne pour vous, côté que président kenyan lui promet et lui dit que, eh bien, en fin mois janvier 2025, là, lui promet et l'a délivré que tout contingent force kenyan l'a au total dans le pays d'Haïti. En attendant, un extrait, discours ça, que le président kenyan a fait sous extrait des Nations Unies, William Ruto. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels. Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes éternellement reconnaissants aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins, le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème. Valérie, grand pile information cap circulé et sous mission 1, gagné par exemple un gros officiel dans le département d'État américain qui parlait avec VOA Creole. Et c'est où qui t'a réalisé interview ça? Et envoyons un rapport complet de qui ça nous capable retenu, qui sont même retenu essentiellement de interview ça avec gros officiel département d'État ça. Tout à fait, Jacqueline. Officiel, ça quoi parler de l'IA, c'est Madame Barbara Feinstein qui lui-même lycée assistant député secrétaire d'État pour les affaires Caraïbes avec Haïti. Une autre fois encore, on est ça, les chita ensemble avec VOA Creole et lui répond en détail différentes questions que nous te posons. Lui éclaircit plusieurs points et des questions qui ont qu'il nous a aimé poser, nous poser pour vous et on a besoin de réponse dans l'interview ça que certainement on a bien dans toute intégralité sous VOA Creole. Mais qu'on y a nous a dit que Madame Barbara Feinstein lui explique clairement, il démentit dans le commencement de l'interview que c'est pas vrai. Et rumeur ça qui a circulé à Tribobabo fait qu'on est que le pays dominicani a voué et force police qui fait partie de force MSS pour aller en Haïti, lui démenti ça catégoriquement dans le micro VOA Creole. Donc il dit non, le pays dominicani n'a pas de force pali qui a fait partie de MSS. Là. Et puis tout secrétaire d'État, alors assistant secrétaire d'État, lui parlait justement de secrétaire d'État lui-même, Anthony Blinken, qui était annoncé hier déjà et bien que le département d'État prend sanction contre ancien député Profane Victor, chef gang Savien Luxon Elang, et lui bail plus de détails sous sanction en général. Qui sa sanction, vous l'avez dit, qui sa a implémenté et qui conséquence sanction. Tout. Nous te posé une question sur des sanctions qui te prennent déjà. Par exemple, sanctions qui te prennent contre l'ancien président Joseph Michel Martelly. Libye détails sous ça, l'expliquer, paramètres et sa sanction, vous l'avez dit. Et pour qui sa sanction pour implémenter d'après ça, pile monde d'avril. Et puis finalement, il parle tout certainement de sa gouvernement américain a fait pour les deux pays d'Haïti dans affaires crise humanitaire, alors Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Creole dans l'occasion 79e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Donc Valério, et à demain.
N'a pas rejoint et qu'on y a un autre envoyé spécial VOA Creole dans New York, c'est Glorieuse Nelson, qui fait qu'on est, t'es gagné manifestation qui t'a déroulé, manifestation anti-gouvernementale devant le local Nations Unies pendant que président Edgar Leblanc lui t'a parlé dans la tribune Nations Unies Glorieuse. C'est jeudi, hein? Jeudi 26 septembre 2024 que Edgar Leblanc, qui c'est président conseil présidentiel haïtien, lui t'a pris la parole dans 79e Assemblée générale ONU. Hein? Pendant que Edgar Leblanc lui-même était sous tribune Nations Unies, hein? Quelques haïtiens, organisation Komokoda, étaient devant siège Nations Unies hein? Pour manifester contre présence Edgar Leblanc, contre le fait que Edgar Leblanc a parlé nan non haïtien. Nous rive parler avec Eknayo. Nous là pour justice, nous là pour peuple haïtien, n'importe moun ki là ki pa travay pour peuple. Nous obligé camper pour nous parler pour peuple. Li important parce que Edgar Leblanc c'est pas peuple qui te mette comme président. Bon conseil, 9 dragons 7 têtes, c'est pas peuple qui mette yo. Gary Conniff c'est pas peuple qui mette le premier ministre. Tout moun sa yo c'est États-Unis qui a fait un job sale avec haïtien tan kou. Qui pagaient nén en figure. Nous c'est haïtiens mais en plus non nous pagaient nén en figure nous. En plus non nous c'est mal pour nous. Nous là pour nous faire job jour America. Nous là parce que nous devons voir un message que Edgar Leblanc pas représenté par haïtien. Tout qui est grand y en Haïti. Tout qui est chef grand y en Haïti. Moi on va jamais commencer de dire. C'est parce que y a mon bon bois quoi et pied bonhomme. Voilà. Bah ouais tout le monde. Haïti, ça passe. Haiti is not for sale. Organisation Komokoda qui te gagné étranger qui vient supporter dans le mouvement nous parler avec Véronica qui a expliqué pour qui ça l'y accompagner Komokoda jeudi. No occupation. Non à occupation. C'est moun qui goumè yo, c'est moun qui travaille di yo qui doit gagner contrôle communauté yo. C'est pas Clinton yo ou sinon Citigroup que yo relé Citibank kounya. Faut yo remettre Haïti l'argent million yo volé en 1915 yo. Faut yo quitter Haïti en repos. Faut yo remettre l'argent ou te volé. Jean Kawel là, quelques membres organisation Komokoda yo même yo bravé la pliant qui a fariné mais yo té estimé fort yo vinn di non contre présence Edgar Leblanc dans Nations Unies, yo estimé que Edgar Leblanc pas capable représenter ni parler dans non haïtien. Moi relé Glorieuse Nelson depuis siège Nations Unies dans New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Glorieuse, ou fait bon choix ou sous VOA Creole. Question sur haïtien dans Springfield, on dit accusation sur haïtien dans Springfield, Ohio, continue à dominer actualité aux États-Unis, surtout à procès contre Donald Trump et candidat parti républicain. Restez branché. Tant qu'on t'a annoncé l'Asian Bridge Alliance, relé devant la justice candidat pour parti républicain Donald Trump, avec toute colistelli JD Vance, pour désinformation sur haïtien dans Springfield, Ohio. Responsable yo bayon conférence pour la presse, jodia nan Washington DC, gentil Augustin Junior te présent. Yon groupe parlementaire nan Congrès a pren yon résolution pour parler avec groupe républicain yo qui a attaqué haïtien yo. Et résolution ça li même li basé sous plusieurs points concernant migrants yo. Yo fait comprendre que migrants yo pas de vini pendant bordé a ouvert parce que yo t'ai commencé vini là depuis longtemps. Yo fait connait tout. Migrants yo participé dans économie pays ya, yo participé dans développement États-Unis. Et pour qui ça, y a obligé attaquer yo. Et résolution ça, li pral permettre yo même en tant que parlementaire pour chita avec groupe républicain ça yo pour discuter sous avenir migrant yo. Résolution vraiment centrée sous cause qui fait moun ap quitter pays yo, soit que pour y aller sous frontière ou bien ap chercher l'autre moyen pour yo jwenn protection, l'autre moyen pour yo jwenn asile, l'autre moyen pour yo sauver la vie yo. Alors li vraiment centrée sous cause ça, li dit comme ça que si pays sa yo stabilisé, alors moun pas obligé ap sauver pour quitter pays sa yo. Et c'est ça nous même dans Haitian Bridge Alliance t'a mandé pour Haïti joigne un souffle, pour l'autre pays joigne un souffle, comme ça pour moun capable vivre la caillou avec dignité. Guerline Joseph qui c'est
responsable Asian Bridge Alliance, qui t'a parlé avec nous sous un lawsuit que lui-même li file contre J.D. Vance avec Donald Trump pour diffamation que il a fait sur groupe haïtien yo qui vivent au Ohio qui mettait vie haïtien ça yo en danger. Pour qui ça lawsuit là, c'est parce que yo prend communauté haïtienne là pour petit mis en garde. Yo gardé nous, yo wè nous semblé monde qui pas qui représentant. Yo gardé nous, yo c'est monde noir et yo gen problème avec monde noir, yo gen problème avec Haïti personnellement parce que nous tenace pour nous prendre l'indépendance, pour nous bailler le monde indépendance. Alors yo kembe ça comme un défi que yo vle continuer pour yo tout pizi Haïti avec haïtien. Alors nous-mêmes nous râler devant la justice pour yo capable pour premier pour nous faire payer bouche yo pour yo faire pour nous faire respecter communauté haïtienne là et Asian Bridge Alliance qui travaille avec haïtien qui travaille à migrants haïtiens qui travaille à tout migrant yo filon leur sout yo dit pas gain route pas bois faut que yo fait deux moun sa yo payer bouche yo pour diffamation ça yo fait contre haïtien yo nom c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. États-Unis justice autorité judiciaire dans New York inculpé magistrat Eric Adams pour crime fédéral. Sandra Lemaire gain détail. Good morning everyone. Thank you for gathering. Today we are announcing campaign finance. La justice ville New York accusé officiellement magistrat Villa Eric Adams pour crime fédéral jeudi. Accusation en dit Adams te recevoir l'argent en battable nommé étrangers, ensemble avec contributions illégales pour campagne li, en échange pour bénéfices qui incluent aider responsables pays la Turquie, joindre approbation autorité sécurité contre incendio pour un nouveau building diplomatique qui a construit dans New York. Adams, c'est un ancien capitaine de la police ville New York et l'a fait face avec accusation pour complot, fraude, avec l'argent imbattable que l'était accepté dans un document légal qui gagne 5 chef accusation et qui détaillait crime l'été commettre pendant plusieurs années. Pendant une conférence pour la presse, côté l'été annoncé accusation, hein, Damien Williams, procureur Manhattan, a dit Adams t'est doué by détail sous cadeau l'été recevoir, mais après une année, l'ikembe public là n'en fait noué. Nous accusons le magistrat Adams dès qu'il était accepté contribution ça, malgré qu'il était connu était illégal et que c'était une tentative gouvernement turc là, un businessman turque qui a cherché acheter influence li. Dans une conférence pour la presse séparée dans résidence officielle li, Gracie Mansion, magistrat Adams déclarait li pas gain intention démissionner. It's an unfortunate day. C'est une journée qui triste et qui dure. Mais à part ça, c'est un jour qu'on finalement nous voir qu'on a pour qui ça m'a passé misère ça yo depuis 10 mois. Et m'a content que l'opportunité de défendre tête moi et puis défendre citoyen ville ça. J'en moi toujours fait pendant carrière professionnelle moi. New York, c'est plus grande ville aux États-Unis. Adams dit journaliste yo, li espérer mon New York yo va attendre pour coûter défense équipe légale li avant yo juger. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. L'autre point dans l'actualité à Volodymyr Zelensky, président pays ukrainien qui n'a guère avec la Russie, trouvé dans Washington DC. Président Joe Biden recevoir dans la Maison Blanche. Côté yo discuté sous plan président Zelensky gagné pour mettre fin dans la guerre contre la Russie. Zelensky a rencontré tout avec vice-président Kamala Harris dans Washington DC. Et selon programme, nan, l'a rencontré tout avec ancien président Donald Trump. Officiel pays États-Unis dit administration Biden a voyé par Ukraine yon quantité bombe yon pas dévoilé qui gen frappe moyen ak yon série rocket atiray ak machine blindé nan cadre yon aide militaire qui totalisait à peu près $375 million. Nous content d'être toujours branché et c'est un bon choix, pas de place. Actualité dans le pays d'Haïti, ancien sénateur Youri La Tortue, moun patande longtemps sous scène politique là, souhaitait porter contribution pâle dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Yon reportage, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Dans le moment débat a fait sous scène internationale là, par rapport à une éventuelle possibilité pour ta converti force multinationale soutien à sécurité en Haïti par une mission la paix Nations Unies,
ancien sénateur Yuri La Tortue, yon spécialiste dans le domaine sécurité que moun patande dans la presse depuis yon bon bout de temps à cause sanctions internationales, quoi, c'est plus équipement l'armée d'Haïti avec la police besoin pour capable de raciner phénomène insécurité dans moins que 3 mois. Yon mette l'armée à souvenir. Yon prend police là, yon pas équipement. Population campée avec yon, n'a pas résolu le problème là. N'a pas résolu le problème, yon prend 3 mois, n'a pas résolu le problème. Gardez là, c'est Haïtien qui a résolu le problème ça. Et depuis nous résolu le problème, élection a plus facile. Depuis nous résolu le problème, aider la population a plus facile. Je ne dis pas que moi-même, si je prends un choix, je prends un peu fort pour mettre la question de sécurité au lieu de me faire un petit coup. Parce que le jour que moi je suis pour la sécurité, mon matissant, les gars lâchent les œufs dans le fermement. Mon matissant, les gars naïfs, les gars caillent, José a pas calé. Mal 15 000 gouttes, il a passé mal. Moi-même, je priorise la sécurité, mobiliser l'armée, mobiliser la police. État d'urgence, je fais tout le monde. Vrai état d'urgence, je réquisitionne tout le matériel, je mets la sur nous, je marche pour eux. Et après, on prépare ici, les gars faire activité. Bon côté pal, yon dirigeant organisation Douamoun, M. Camille Oxyus, quoi, gen nécessité pour Nations Unies faire yon réévaluation par rapport à mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Nous sommes capables de dire que ça a déjà arrivé dans la fin et Mandali, parce que en octobre, et mission en lui-même, la Mandali a pas en fait. Donc, nous-mêmes, nous croyons gen nécessité pour yon réviser résolution, hein, à savoir, bay possibilité à force là dans tête collée avec la police pour faire des interventions musclées, c'est-à-dire permettre à ce que force en lui-même les plus efficace dans le travail à faire et permettre de gagner du matériel qui est approprié qui est disponible ni pour force ni pour et la police. Même nous croyons que jodi a gagne nécessité pour que yo fassent une étude en profondeur pour garder qui mode d'opération yo capable mener pendant à respecter droit monde. Mais, pour regarder qui ça doit poser en termes d'action pour bailler une réponse proportionnelle par rapport à civil armée qui a simé la terreur dans tout petit coin dans le pays. Pendant ce temps, direction Grand Nord à Grand Sud toujours été paralysée à cause propre loi nek armée imposée sous dos population civile. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, nous saluons tout le monde qui est toujours branché VOA Créole et ça fait nous un pile plaisir. Et merci un pile de ce qu'on fait ça. Fait bon choix au sous VOA Créole et qu'on y a nous praler dans ville Paris avec journaliste Edouard Franklin Djedem sous communauté haïtienne. Plusieurs organisations dans Paris te voient invitation by communauté haïtienne de France là pour venir participer dans un colloque pour démarrer une entrée culturelle et politique en dans communauté haïtienne de France là. Parmi organisations sa yo qui te présent, te gen COSDE, AEDA, Hibiscus, Parti Providence et l'autre encore. Te gen un panel journaliste et politicien qui t'a posé question, répondre question, plus participation publique là. Puis fort question yo et ligne débat, te gen pour wè avec question insécurité ya. Changement classe politique ça, c'est eux même qui pas porté rien de spécial pour pays d'Haïti. Organisation élection yo coûte que coûte pour certains intervenants. Rencontre dialogue de communauté internationale. Appliqué en Haïti, ça revenait une politique d'ajustement structurel. Et une politique d'ajustement structurel, là, il gagne tout un ensemble d'impact sur Haïti. Et il ne faut pas oublier que c'est avec l'arrivée des politiques d'ajustement structurel que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international appliqué en Haïti, que nous venons accoucher, ça revenait démocratie libérale. Là. Et démocratie libérale, là, et je me disais, c'est une source de. D'instabilité que lié pour Haïti, parce qu'ils ont imposé une démocratie qui n'est pas adaptée à nous, à coutume nous, vite fait que je vous dis à nous tous nous conscients que nous avons depuis le fait que nous avons une stabilité politique en Haïti. Élection coûte que coûte. Élection faut le fait. Quelles conditions sécuritaires ou bien, que ou pas bien, même si c'est 10 mounes, c'est 20 mounes qui ont voté. Faut que nous sortions pays dans sa la transition pour nous mettre un président, des sénateurs, tout le monde pour nous capables de commencer
yon début d'état. Gen an pile l'autre point qui t'est touché pendant que moun yo t'est continué à poser question. Mais est-ce que genre de manifestation ça yo réellement important pour faire bouger politique là en dans pays d'Haïti? Ou pas capable faire yon entrée politique lorsque qu'on a changé de période. 2024-2025, faut capable dire nous même dans communauté à qui ça nous penser, qui ça nous pral faire, qui vision gain pour jouer cap vidéo. Nous depuis les Haïti entre nos bagages CPT et comme si nous t'a dit tout le monde, c'est comme si tout bagage bien marché. On ou Haïti puis mal que j'en étais au départ. Mouvement est ensemble ça dans Paris pour qu'on finisse en place pour être capable définir qui prochaine action que on va poser contre système politique ça. Mais ça sûr d'après ça nous et nous comprendre, yo pas sous ligne pour y camper. James Franklin Edouard depuis la ville lumière Paris. Pour la voix de l'Amérique, créole. Merci, Jedem, c'est ton plaisir. Eh ben, mes amis, nous pourrons parler de Groenland. C'est yon côté, moun pas presque habité sous l'île, chargé à glace. Et pourtant, dans Groenland, football, c'est roi et c'est yon paquet fanatique malade qui a cherché, fait qu'on est non yo et on voulait jouer contre l'autre pays. C'est yon rêve tout, mais c'est un rêve tout autant que yon pas nan yon fédération. Mes amis, n'a gen pour nous parler plus de Groenland qui trouvait nan Danemark et qui voulait rentrer nan CONCACAF là. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Non pas m'se Jacqueline Belizère, n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Bonsoir. Mes amis, yo, moi en pile débat fait, en pile réaction à bail là. Après, discours président conseil transition, monsieur Edgar Leblanc fils, fait sous kibine Nations Unies. Jeudi 26 septembre 2024. L'an. Et c'était un discours que plus monde t'attend. Même Jean, nous songeait que Ariel Henry, dans la 78e Assemblée générale des Nations Unies en 2023, Ariel, que en plus mon tapant Ariel pour te parler, pour te dire que, puis yo te kwe étendé, qui ça Ariel pral dit concernant à l'époque, te ke dossier Canal Wana maintenant, puis yo te wè qui ça Ariel pral dit de dossier Canal Wana maintenant. C'est pas oublié que Luis Abinadel, l'ité déjà fin frappé nous dans la question canal. Moun yo tap tant qui réponse que Ariel tap pral bay dans la question sur qui bin Nations Unies. C'était comme attente année passée. Et c'est même attente ça qui gagne au niveau encore piwo de peuple haïtien, de ça Edgar Leblanc fils, qui s'est coordonnateur ou bien président conseil transition, les mêmes pral dit sous tribune Nations Unies. Discours, il était vraiment long. Mkwese 19 pages. Et qui ensemble de grands points que Edgar Leblanc fils, li parlait de yo. Et moi certain que moi dit clairement que ça vraiment important pour que analyser ensemble avec nous. OK. Yeah. Analyser, questionner et garder avec nous ensemble discours ça yo. Et c'est vrai que moi grand pile débat en pile critique a fait pour un petit problème. Bon, m'a dit si. OK, pour problème protocole par rapport avec un glo Edgar Tedouébué. Bon, Tedoué prend l'envers. Bon, malheureusement, il prend l'en pour un. Ça fait un pile débat.
gros problème protocole qui posé, ça tout le monde admet ça. Oui? Gros problème protocole qui posé, nous tous d'accord ça, nous tous admettons des problèmes protocole posé. OK? Nous d'accord ça, nous admettons ça. Mais je dis, je ne vais pas vouloir que pour nous chita ce problème protocole, bon côté Edgar Leblanc fils pendant ces temps, nous parler dans le contenu, nous parler dans le fond, discours Edgar Leblanc fils. Et moi-même, c'est dans le discours Mchita. C'est dans le fond Mchita. D'accord, il y a protocole là qui dérange. Mais Fanta en place Edgar Leblanc fils, m'a fait comprendre que qui ça passe qui est le protocole ça. Mais pour ça qui est important, est-ce que une cachita fait un étalage sous protocole là avec question type avec pot de l'eau hein, au lieu qu'il te met de l'eau dans verre pour le tibrel que l'élever dans tête li. Je comprends. Je dis à Haïtiens, nous tellement critiques. Et critiques, nous comme Haïtiens, lit tellement destructives. Parfois, nous ne pouvons faire 20 000 bagages qui sont bon, mais on crée une bagage qui n'est pas bon. Regardez, nous oublions toutes 20 bagages qui sont bon, et puis nous aimons ça qui est bon. Nous aimons ça qui n'est pas bon. Sur exemple, et pas dit, me dit, et gâte bien, et gâte, tu fais bien, fais ça, fais ça. Non, pas ça me dit non. Mais comme peuple, comme haïtien, comme peuple pareil, moi qui me connais nous très bien, moi connais qui est nous yé, moi connais que nous puissions croire dans disque, dans critiquer, au lieu que nous arranger pour nous capables d'avancer. Et pour m'aller plus loin, ça que fait aujourd'hui là, manquer solidarité, manquer tête ensemble, la haïtien pareil nous cap vivre, qui immigre aux États-Unis. Raison très simple. Et parce que nous pas unis, nous, non? Nous avons divisé, nous avons joué l'autre, nous avons critiqué l'autre. Alors que si nous réunis force nous, si nous gonflons force nous, nous avons refait. OK? Nous avons fait merveille dans le monde. Mais nous pas décidé de gonfler force. Nous n'avons pas décidé de mettre nous ensemble. Parce que, au lieu que en pile nous chita, nous faisons discours. Hein? Ou après, raison envahie avec question et gata bouette l'eau. Nous d'accord ça, oui, protocole a manqué. Ou dis-moi quelque part, pas qu'on est. Même pas chita sur ça moi-même seulement. Je voulais aller dans le fond du discours. Hein? Et me promettre nous, dans l'autre émission que nous avons fait, côté que nous allons finir avec le discours. Hein? Nous avons fait entendre, et moi avec Désir Venesse, nous avons décortiqué le banou. Mais quand nous on nous aller dans quelques points qui important en dedans discours là. Dès nous t'es capable observer, regarder, étendre expression visage et comment que énergie, tristesse, chagrin, amertume qui a dégagé dans voix Edgar Leblanc fils. OK? Parce que nous pas ouais côté monsieur dit je tiens pas vraiment des charités avec international là.
Nous pas venir demander charité. Nous pas venir traîner cuit nous. Et l'air doit arriver. Moment doit arriver. Pour nous suspendre traîner cuit nous. Pour nous suspendre traîner bol bleu nous. Dévancher ben le monde. Et j'ai Edgar Leblanc dit là. Haïti offrit. Haïti, cette terre qui a offert au monde entier un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug colonialisme barbare. Ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect et de la dignité de son droit à une existence digne et prospère. Avec gros français. Mais en garde ça, monsieur, dit dans ça. Je vois ça, yo. Ça, on doit mériter débat. Oui. Ça, on doit faire débat. À côté de chercher cette question pour de l'eau, certes, nous d'accord. Mais ça, doit faire débat. Parce que, dans le contexte côté que Donald Trump avec Jerry Vance, des républicains là, je dis là, yo, regardez, yo là, que chasse aux sorcières des Haïtiens. Yo là, que chasse aux sorcières des Haïtiens. Je dis, je crois que c'est le moment. Pour qu'on soit capable de récamper ce qu'on fait nous, d'évangéliser le monde, d'évangéliser l'humanité, récamper ce qu'on fait nous. Josiane, c'est l'exemple, chemin, exemple liberté, pour un pile pays dans le monde là. Haïti, c'est l'exemple ça. Haïti, c'est l'exemple ça. Haïti fait exemple ça. Et en pile pays dans le monde là, je dis, hein. Les a parlé de indépendance, les a parlé de liberté, ils n'ont pas capable de parler de Haïti. Quel que soit parler de lui bien ou mieux parler de lui mal, ils n'ont pas capable de parler de Haïti. Et moi, que je dis, hein, c'est fréquencité ça que ils ont fait dans le pays là. C'est fréquencité ça, oui. Yo fait na paye là, je dis. Fréquencité ça fait na paye, je dis. C'est fréquencité ça. Yo fait na paye, je dis. Nous pas chercher charité, nous pas demander. Nous pas besoin de nous faire comment dire là geste de pauvreté avec nous, geste de charité à bas nous, parce que avant ba nous, parce que dans grand grand misère dans ceci dans cela, mais nous chercher justice pour peuple haïtien, ça peuple nèg ça, première nation nèg ça, n'a chercher justice pour lui. La France qui fait une paye 21 combien milliards. La France qui fait une paye combien milliards ça. Qui te fait une paye de l'indépendance nous. Et gars, les punais vous le dit. L'argent ça que la France fait une paye. Hein? Quoi me souvle? Les contribuables mettent Haïti dans le niveau pauvreté, dans le niveau misère ça. Et c'est pas menti. 21 milliards, oui. Je dis en la baba non menti. Bien qu'elle déjeune nos 4 milliards là, nego vole li. Te bon 4 milliards déjeune dans Puerto Caribéen là. Les maté li. Les comment les la motte. Les qu'est-ce c'est là, c'est les Jocelyn River. Même koni là tout. Parce qu'il dépasse comme premier ministre maté li. Te bon là je sais hier rachat après il t'est fin craser là. Clinton, Jean Audi, les comment Jean-Max Bell, les bagages, ça y est. Je dis, hein. Fondamentalement, des comptes. Ah oui.
Quand on demande au compte de Haïti, nous. Mais si je dis là, au moins, on a même 1 milliard, même 4 à 5 milliards, 6 milliards. Et bien, Fonda, go qui ben vol, Fonda Haïti, là tout. Faut pas ta là, non? Si y'en a mes vol, ça va passer pas bon de. Y'a pris lui, y'a pris côté lui. Y'a pas besoin de garçon de ghetto, hein? Même j'ai offert en dedans, même j'ai offert avec l'argent de tout Caribé, hein? Et y'a pas de ça, là, je dis, hein? Même si c'est certain, comme on est la France, de génération en génération, la France pas jamais rembourser nos dettes indépendantes, qu'elle te fait nos pays. Ou est-ce que c'est bien, monsieur? Ou est-ce que ou bataille, ou perdit, ou perdit esclave, ou perdit soldat, ou prenez des potes de souris? Là, du conseil, pour les dit non, et fréquence, il faut payer pour indépendance. Il faut payer pour lui. Nous cherchons respect, justice, dignité et droit nous à une existence digne et prospère. Je veux dire, même les États-Unis. OK. Même États-Unis. Le regardé et entendé. Le mouche créé Donald Trump, non? Mette avec Colistiel, Jenny Vance. Ok? Avec Jenny Vance, ne que mette ensemble. Y a pris les chalbars des Haïtiens. Et yo dit que début yo t'arrivé président Haïti mêlé, ah oui. Début yo t'arrivé président Haïti mêlé, ah oui, ça veut dire a immigré haïtien mêlé. OK. Immigrant haïtien qui vivent aux États-Unis mêlé. Et ça vous dit. OK. Mais ça n'a pas dit avec yo. Ça n'a pas dit avec vous. N'a pas fait qu'on est qui. N'a pas fait qu'on est qui. Je dis, hein. Que pays ça, qui est Haïtien, pays nek ça, oui, premier peuple noir indépendant ça, je dis, hein. Pas jamais qu'à accepter que hein OK je dis hein Angade, Anoué, niveau importance,
décret d'importance. Pays sa en Dieu, pays sa vive là. An gade, an ouel. Et si je dis là, ça a été à vivre là, ça a été à prendre là. Nous décidons d'accepter. Nous décidons de vivre comme ça. Non, il va logique. Il va logique, il va normal. Et je veux dire que chaque haïtien comprenne ça. En bataille, pour retirer pays nous dans ça de là. Je dis en bavin mandé, communauté internationale là. Fais nous grâce, fais nous pitié. Non, on bavin mandé ça. De Haïti c'est membre fondateur Nations Unies. Vous voulez qu'on ça? Haïti c'est membre fondateur Nations Unies. Donc je dis en là, si Nations Unies te voulait aider nous, comme à travers chat Nations Unies, hein, ni ben non droit ça. Yeah. Ni ben non droit pour nous capable jouer une bourrade internationale. Ni ben non droit ça. Yeah. Ni ben non droit ça comme haïtien. OK. Ni ben non droit ça comme haïtien. Et si je dis en chaque fois que n'a regardé, chaque fois que n'a observé, chaque fois que n'a analysé, n'a fourni géwe pour nous ouais. J'ai un pays ça va aller. J'en ai que je peux aller avec pays ça. Gbe pour nous comprendre. Gbe pour nous dire tête nous. Est-ce que n'a still continuer rete dans assistana? OK. Yeah. Je dis, hein? Je dis à nous pas, dans quel système là? Je dis à nous pas dans assistant là. Je dis à nous, vous mettez dans quel système là?